Loin de leurs ateliers respectifs, les artisans de la commune d'Abomey-Calavi se sont réunis pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Comme par le passé, ils ont fait de ce vendredi 6 mars une occasion de réjouissance. Au-delà des festivités, cette 10e édition de la Journée de l'artisan béninois a également permis aux membres du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de la cité d'Ortoa de projeter des réflexions sur le développement du secteur artisanal. Chers membres d'association, je suis fier de vous, car vous avez opté pour le respect de nos tests. Je suis fier de vous, car vous êtes des sages. Chers artisans et artisans de la commune d'Abomey-Calavi, je profite de cette tribune pour vous inviter à garder votre calme légendaire, à un peu plus de patience et à la confiance en vos responsables respectifs, car très bientôt, nous savourerons des fruits de nos luttes et au grand bonheur de nous tous. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du bureau de toutes les associations qui, en dépit de leurs tâches quotidiennes, ont consenti d'énormes efforts pour s'associer à la réalisation de cette fête. À l'issue des festivités et échanges marquant l'édition 2020 de la Journée de l'artisan béninois, chaque acteur retourne à son atelier avec pour seul objectif désormais améliorer le secteur de l'artisanat au Bénin.